Bon, ça met tout de suite dans l'ambiance. Bon, alors par contre, le cadrage, faudra que je le refasse quand je serai en gameplay, mais là, j'y suis pas. Bref, sinon, donc, salut à tous et à toutes, c'est moi, LeOffice511, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play sur la Wii, et pour un let's play tout mignon, avec un personnage tout mignon, dans un univers tout mignon. Ah, j'ai plus de voix, ça fait beaucoup de mignon. On se retrouve pour Kirby au fil de l'aventure, le premier Kirby de la chaîne, il y en aura d'autres, je vous le dis. Je cache moi, direct, allez. Mais lequel? Bref, sinon. Donc, Kirby au fil de l'aventure, c'est sorti en 2010, je crois, c'est ce qui a été. Ouais, maintenant je donne les dates de sortie. 2010, par contre, le mois, je l'ai pas. J'ai juste l'année. Bah, c'est écrit en haut, en fait, 2010. Okay. 2010-2011, bon, j'en sais rien. Peut-être fin 2010, début 2011, je me souviens plus. Enfin, bref, bon, pour ceux qui connaissent pas Kirby, déjà, bah, c'est Nintendo. Deuxièmement, c'est le personnage le plus mignon de tous. Voilà, bon, vous voyez tout de suite, hein. Alors par contre, il y a des gens qui tondent dehors, donc j'espère qu'ils vont arrêter de tondre parce que c'est très chiant. Bref, donc comme vous pouvez le voir, ce jeu, je l'ai fait à 100% ma gueule. Alors attendez, attention. Hop, attendez, je refais un cadrage. Schlac, tac, tac. Attendez, non, on va se rapprocher en fait. Bon, bah ça va rester comme ça, désolé. Ça va rester comme ça. Mais c'est moi ou on est traviole? En fait, j'ai remarqué un truc pendant le let's play d'Epic Mickey. Je suis trop. Oula, pardon, excusez-moi. J'ai remarqué un truc, c'est qu'on dirait que l'écran est de travers. C'est dingue, hein? C'est moi qui suis comme ça? C'est bizarre. Bref, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le jeu à 100%. J'y ai passé 20 heures quand même. Hein, c'est... Ah oui, j'ai beaucoup joué le jeu. Pour le finir à 100%, voilà donc. Touloute. On va faire une nouvelle partie. Voilà, donc j'avais envie de faire un jeu tout mignon. Je crois qu'il y a un mec qui parle. Bienvenue à Dreamland, un royaume où il fait bon vivre. C'est un endroit idéal, si on aime ce style de vie. D'accord. Mais depuis peu, une étrange rumeur circule. Un sorcier vêtu d'une cape transformerait les gens en fil à coudre. Un jour, Kirby aperçut une belle tomate très appétissante sur un buisson. Celle-ci, elle est pour moi! Mais alors que Kirby essayait de l'avaler, un sorcier vêtu d'une cape apparut. Je suis... Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite! Non, pas ma métamate magique! Kirby avala la métamate d'une seule bouchée. Soudain, la chaussette que le sorcier portait autour du cou se mit à briller. Kirby fut avalé à son tour. Waouh, quel jeu d'acteur! Ce gazon, il est bizarre. On dirait du coton, pensa Kirby. Et à sa grande surprise, il s'aperçut que tout son corps était maintenant fait de fil. Puis, il vit un monstre de fil, pourchassant un garçon de fil. Ça fait beaucoup de fil. Au secours! Aidez-moi! Kirby tenta d'avaler le monstre. Mais son pouvoir légendaire était inefficace dans ce monde. Que faire? Se demanda Kirby. Tout à coup, il se transforma en voiture. Il attrapa le garçon et fila, laissant ainsi le monstre mort dans la poussière. Apparemment, cet étrange métamate avait conféré à Kirby le pouvoir de se transformer à volonté en voiture. Et qui sait en quoi d'autre? Ah oh putain, ce jeu d'acteur, il m'avait manqué. C'est tellement nul! Mais c'est marrant! C'est tellement ridicule que ça en devient drôle, quoi. Hop là! Merci de m'avoir sauvé de ce monstre! Comment? Tu viens d'un autre monde? C'est fantastique! Allez, viens avec moi et je te ferai visiter le coin. Voici mon château, mets-toi à l'aise et commence à prendre tes marques. Alors attendez, que je me souvienne de... Château Pompon. Ah oui, il faut trouver des trésors, c'est vrai. Un joueur. Ah, c'est le jeu d'acteur. Au secours, aidez-moi! Ah putain, c'était délirant. Donc attendez, maintenant que je suis en gameplay, voyons le cadrage. Attendez. Un peu plus haut. Oui.
un peu plus haut, un peut-être un peu plus bas. Hop, comme ça. Hop. Ça change pas grand-chose en fait. Bon, vous voyez. Oui, vous le voyez. Alors, je remets le son maintenant. Bon alors, que je me souvienne des commandes. Ah oui, si je maintiens deux, hop, en parachute. Bon, ça c'est pour attraper. Hop, deux fois. Oui, bah, ils vous apprennent. Donc c'est un jeu tout mignon, hein. C'est pas non plus... Hop, voilà. Hop, je me souviens comment jouer. Hop, hop, hop. Voilà, si je reste appuyé sur 1... Et hop, ça me fait un truc pour lancer. Ah merde, bien joué. Attendez. J'ai recommencé parce que ce jeu, pour finir à 100%, faut pas faire le con. Je sais pas si je vais essayer de le faire à 100%, mais ça pourrait être marrant d'essayer. Oups. Ah bah non, attendez, je pouvais pas. Attendez, j'ai une idée. Oula, attention. Attendez. Ah non, je peux pas. Chauve. Bon bah attendez. Ah bah non, je peux plus. Attendez. Mais attendez, si je fais ça, je peux pas descendre là. C'est bien ça. Bon, en fait, je sais comment faire, mais je vais m'en souvenir. En fait, il faut prendre un... Comment ça s'appelle? Ah, oh purée. Attendez, deux secondes. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, excusez-moi. Bon, en fait, je suis recommencé le niveau pour vous montrer, donc il faut bien utiliser un Waddle Dee, le lancer dessus, et puis faire comme ça, et puis voilà. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Parce que ce jeu, il y a plein de secrets. Pas plein, pas plus des caisses, mais... Oh là. Hop, viens là, toi. Donc, hop. Ah, ça, c'est les... Ouais. Objets. Avec ce lustre classique, au possible, vous ne pouvez pas vous trouver. En fait, ça, c'est des objets pour décorer un appartement, je crois, si je me souviens bien. Ah oui. Hop là. Et puis ça fait une espèce de boule quand on est là. C'est énorme. Ah mais je suis con. Hop. Bon, ce début de let's play est très amusant. Vous serez comme un roi sur ce trône plaqué or. Mais où est votre couronne? Nulle part, j'ai pas de couronne. Je suis un mal-aimé. Hop! Attends, je te le garde parce que. Ah, ok, non, ça va. Merde, quel idiot. Château Pompon, écoutez le thème musical du Château Pompon. Ah, il y a aussi des thèmes musicaux. Hop, viens là. J'en étais sûr. Ah bah non, si, c'est bon, attendez. Hop, donc attendez. Ouais, c'est comme ça que ça... Ah, c'est du pif, ok. Je pensais que ça s'arrêtait direct dès qu'on touchait la cloche. Voilà la musique habituelle du... Ouais, donc c'est bon. Ok, donc les trésors, c'est deux trucs et une musique. En fait, c'est même ces objets vont nous permettre de découvrir une sorte d'appartement, comme je vous ai dit. Oh, un jeu d'acteur encore. Merci pour ton aide, dit le garçon. Mais j'aurais pu m'en tirer tout seul. Ouais. Je suis le prince Pompon.
Depuis que le sorcier Maya l'envers a déchiré le pays de la courte pointe dans 7 morceaux, partout où l'on va, on croise ces horribles... Bonbon n'eut pas le temps d'en dire plus. Un énorme monstre à 3 yeux et tout en fume les attaqua. Dark, lâche-moi tout de suite! Mais avant que le monstre ait pu avaler le prince Pompon, Kirby se transforma à nouveau et le bâtit à plate couture. Parmi les petits bouts épars se trouvait un morceau de fil brillant et tourbillonnant. Oh, c'est un morceau de fil magique! S'écria Pompon. C'est ce que le prince recherchait depuis un moment. Maya l'envers avait dérobé le fil magique au pays de la courte pointe. Courte pointe? Ah putain. C'est fin tout ça. Comme le fil! Poum, tch, allez, je me suis suicidé. Ah putain, c'était nul! À la fin, fil, bref. Le fil se faufila entre les mailles du pays de la courte pointe et on raccommoda deux morceaux. Il va y avoir beaucoup de blagues dans ce let's play. Mais où est le reste du fil? Il faut que je le récupère. Kirby, toujours prêt à aider les autres, décida d'accompagner son nouvel ami dans cette quête. Par hasard. Les deux compères partirent donc à l'aventure afin de rapiécer le pays de la courte pointe. Bon, je le dis tout de suite, il va y avoir beaucoup de blagues et beaucoup de jeux de mots, je pense, hein, dans ce let's play, parce que, oh purée, c'est fin comme le fils de Jacques, c'était bien, hein. Donc logiquement, voilà, c'est bien ça. Contre verte. Je peux jouer? Laisse-moi jouer! Alors, on peut voir que là, c'est déchiré, juste là, mais quand on aura raccommodé tous les mondes, et bah... Place feutrée, c'est quoi? Ta ta ta. Ah oui, c'est pour voir les cinématiques et tout ça, oui oui. Je sais plus s'il y avait un truc avec les cloches. Ouais, y a plein de secrets, je vous l'ai dit, franchement, y'a plein de trucs. Bon, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de tondre là dehors. Je sais pas ce qu'ils font, mais. Mais what? Ah d'accord. Prince Pompon, quelle est votre surprise? Oh, mais qui est votre ami? Le seigneur Kirby, il vous dit qu'il vient d'un autre monde, c'est incroyable. Déjà un seigneur, mais putain. Je suis Fil de Laine. LOL! Ravi de faire votre connaissance. Même le jeu fait des blagues. Le seigneur Kirby vous aide à sauver le pays de la courte pointe. C'est fantastique. Je suis le propriétaire du loyer Douillet. Je vous fais visiter? Allez, entrez donc. Je sais pas d'où ça vient ce truc, mais... Ça m'énerve. Vous entendez pas? Quelqu'un qui tombe là! Je vous vois déjà aménagé ici. Bon, il est vrai que pour l'instant c'est assez spacieux. Par quoi? Je sais pas. Mais je suis honoré d'avoir l'invité du prince Pompon comme locataire. Oh, merci. Sympa. J'ai même un cadeau de bienvenue pour vous, rien de tel qu'une chambre bien meublée. Vous pouvez bien entendu aménager cette pièce comme bon vous semble. Nous parlerons du loyer plus tard. Ah bah non, c'est gratuit, hein, tu me fais pas payer. Allez, faites comme chez vous, et si vous avez des questions, je ne serai pas loin. Si vous voulez bien m'excuser, il me semble avoir entendu quelqu'un à l'extérieur. Bloup, bloup, bloup. Il y a une sauvegarde toutes les deux secondes, quoi. On peut voir que c'est bien grand. Et on va aménager. Allez, c'est parti. Oui, je suis un petit fil. Donc là, en attendant, je n'ai rien. Le seul truc que j'ai, c'est des meubles. Hop. Changer de tissu. Mur et sol. Copier. Retirer. Ouais, il y a énormément de trucs. C'est pour le délire, hein. C'est pour le jeu. Voilà. Je peux m'asseoir, je crois. Ouais. c'est génial. Quand j'appuie sur bas, il s'assoit. Là, c'est énorme. On va rendre le lustre qui sert strictement à rien. Voilà. J'ai aménagé ma maison. C'est pas vrai. Ah, regardez, il y a ma tête, là. Et puis il y aura d'autres. Je crois me souvenir qu'il y aura d'autres habitants dans cet appartement et on pourra jouer avec eux. Et pour finir le jeu à 100%, faut jouer avec eux. C'était long.
Jardin des Fontaines. C'est parti, on continue. On va pas s'arrêter, hein. Ce jeu, c'est un des jeux... En fait, Kirby au fil de l'aventure, c'est un des jeux où je pourrais jouer des heures sans m'en lasser, en fait, tellement que c'est tout mignon et... Il est basique, en fait. C'est basique. Prends pas la tête. Le problème, c'est que... Ce qui est chiant, en fait, c'est que... Quand on est dans les cinématiques, c'est pas assez fort, et quand on est en jeu, c'est trop fort. Oh, ouais. Hey. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je peux pas monter? Ah, ok, d'accord. Hop, et hop. Oh là! Mais il se passe que des merdes ou quoi? Attendez deux secondes encore. Bon, c'est un épisode un peu bordélique, mais je regarde. Excusez-moi, mais il y a des trucs qui tombent là. On accroche des trucs, mais ça tombe. C'est génial. Bon, désolé, hein, mais bon. Je sens que les let's play sur la Wii, ça va être génial depuis. Bon, grâce à ce canapé, votre intérieur dégagera un doux parfum floral. Bon alors. Ah merde! Ah bien joué! Oui, elle est trop vite. Là, j'ai raté les trucs. Si vous voulez que je fasse le jeu à 100%, vous auriez qu'à me le dire. Ah d'accord. Lui, il se réveille pas, vous savez, tranquille. Retourne un peu en arrière, je crois avoir oublié des trucs. Hop. C'est un jeu qui serait marrant, speedrun. Attends. Ah, j'ai un truc qui me démange. Voilà. C'est un épisode très... Oh, purée. Bonjour. C'est un épisode très marrant, je le sens. Pas vous? Ah, y'a que des embrouilles. Des trucs qui tombent, c'est la merde, c'est la fête. Une bagouille. Ah oui, je m'en souviens de ça, c'est marrant. Et hop, on ouvre. On ouvre la baguette. Oula. Une fontaine. Cette belle fontaine irait très bien dans une pièce assez grande pour la loger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. C'était vraiment souvenir. Hop! Bon, en tout cas, j'espère une chose, c'est que ce let's play sera passera beaucoup mieux que Epic Mickey et qu'il se passera... Et qu'il sera plus facile à tourner. Enfin, je dis... J'espère qu'il se passera mieux, mais ça commence déjà mal. Il y a déjà plein de trucs qui tombent, c'est la merde. Il y a un foutoir pas permis, enfin c'est... Je sais pas si ça commence bien, en fait. Jardin des Fontaines! Bon, je vais pas en lire à chaque fois parce que c'est toujours écouter le thème. Voilà. Hop. J'essaie de faire un bon truc, hein. Non, saute. Allez, Kirby! Ah, ok, d'accord. Je peux pas passer? Non, je peux pas passer. Comment je tombe? Ah, mais non, attendez. D'accord. Excusez-moi, je suis un peu long. Hop, 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 hop. Oh, il y a encore un truc. Médaille d'or! Aïe.
Oh, c'est mignon. On va pas les déranger. Oh oui. Je sais ce que c'est. Mega transformation, ma gueule. Comme ça. Ok. Destruction. Ah. Ça va, c'est Peggy 3. On s'en fout. Je vous détruis tous. Le mec, il pourrait utiliser le bouton. C'est qui le maître ici? Tiens, boum! Bouffe ça! Tiens! Oh, raté! Laisse ce truc. Hop! Et puis là, ça redevient tout mignon. Ouh! C'est chaud quand même pour. Ouais, mais de toute façon, c'est juste pour ajouter des. Ouf, des joyaux. Attendez, je vais vérifier un truc. What is that? Je vais vérifier un truc. Vous avez trouvé la pièce de tissu papillon. Ok. Placez une pièce. Appuyez sur 1 pour lancer une pièce de tissu et débloquer un nouveau stage. Ok. Le petit papillon s'envole. Oh, comme c'est beau. Champ de fleurs. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on fait encore un niveau? Allez, c'est parti, on fait encore un niveau. Il y a encore le reflet de cette putain de lumière, mais bon. Bon, je verrai quand je regarderai. Parce qu'en fait, là, il y a de la lumière, vous savez, de la porte derrière moi qui est revenue. Et la dernière fois que j'ai fait ça, on voyait mon ombre, en fait. Et c'était pas très agréable, en fait. De voir quelque chose bouger comme ça, c'est pas très agréable. C'est chiant, quoi. Attendez, comment ça marche, ce truc, déjà? Waouh! C'était incroyable! C'est pour ça que ça allait débloquer un truc, mais. Hop! Waouh, c'est mignon! Oh là, attention! On récupère, hein! Il y en a de toutes les couleurs, c'est super beau. Allez, hop hop hop, hop hop hop, hop hop. Attendez, hop, lâche. Hop. Attendez, il y a tellement de trucs. Violence! Tu vois, ça me paraissait bizarre. Merde. Ah non! Hop! Oh, toi, je te... Toi, je te prends. Horloge fleur. Grâce à cette horloge, vous êtes toujours à l'heure d'été. En plus, les fleurs ne risquent pas de faner. C'est normal, ce n'est pas de vraies fleurs. Ce ne sont pas de vraies fleurs. Tourne
tourne plus. Bonjour. Boum. Ah, les ennemis respawn. On n'a pas de barre de vie, on a juste... Ah, juste un Kirby qui n'arrive pas à attraper. Juste... Des je sais pas. Je me dis bien qu'il y avait encore un truc. Hop. Ok. Oui. Attendez, est-ce que je peux aller encore plus haut? Non, ça s'arrête là. Expliquer pourquoi il pleut d'un coup. Énorme. Ah bah, porte-parapluie, ce porte-parapluie est magique, il ramène vos parapluies perdus. Et puis en plus, c'est une bonne... Que c'est drôle. Hop, et sous l'eau. Allez, on nage, on nage. Hop, hop, hop. J'aime bien ce jeu, franchement, il est très sympa. En plus, je l'ai trouvé à pas cher, quoi, franchement, mais... Je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion, mais évidemment qu'il vend des jeux d'occasion. Franchement, c'est pas cher. Franchement, si vous aimez Kirby, vous n'avez pas ce jeu, il faut l'acheter. Hein. Très sympathique. Oui, d'accord, il n'y a pas l'habituel Kirby qui avale tout et qui a... Et qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? Un point d'exclamation, oui, ça va, je sais. Ah ! Ah ! Il y avait ce genre de truc aussi, d'accord. J'ai oublié ça, vous voyez. Je peux... Ah oui, même quand je suis en puissance, je peux quand même faire... Hop là. Il y a la main petit. C'est ça. Ça a arrêté de tondre dehors, c'est bien. Ça me soulève, franchement, c'était chiant déjà. Hop. Ça arrête pas de tondre ces temps-ci, je trouve. C'est... Je sais pas pourquoi... Les ennemis à tondre. Non. Puis vraiment en bas, vous savez. Ok, d'accord. Tu m'expliques ? Voilà. Ah d'accord, en fait ça, ces machins là, c'est les trucs pour la roue de fin en fait. J'en m'en souvenir. Bonjour. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, encore une transformation. En vaisseau spatial. Je m'en souviens de ça. Je peux les attirer, machin. Yeah. Stylé. C'est violent, hein. Oh, attendez. Salut. Mais j'ai trouvé celui, le niveau au-dessus avant, je pense pas. D'accord, en fait, fallait faire ça ici. Ah bah non, en fait, attendez. Violence. Ah, hop, 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 on vient là. Oh oui. Money. Enfin, c'est pas vraiment de la monnaie, mais voilà. Quand même. Tac, tac, tac. Hop, hop. Venez là! Vous n'échapperez pas. Oula. Je suis déjà à fond, mais c'est pas grave. Ouf. Les petites guêpes. Hop, voilà. C'est dévastateur, on peut le dire. Ah, donc là, le niveau est fini, vu qu'il y a ce machin. Hop là! Je sais pas si j'ai déjà réussi à avoir le grand. C'est vraiment du pif, hein. Bon, ça va faire une demi-heure, je pense qu'on va s'arrêter. En plus, 3 niveaux, c'est pas trop mal. Attends, il faut que je regarde un truc.
Bon, en tout cas, tout se passe bien en attendant, j'ai l'or et tous les objets. Attendez. Vous avez trouvé la pièce de tissu, réveil! Non, c'est bon. Aïe. Aïe. Oh, quelle galère, mais quelle galère! Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Bonjour, Kino. Prince Pompon, Seigneur Kirby, quelle chance de vous croiser par ici. Je suis dans de beaux draps, pourriez-vous m'apporter votre aide? Non. Merci infiniment, Seigneur Kirby, je vous le revaudrai. Mais, qu'y a-t-il? Où va-t-on? En fait, je n'arrive pas à trouver de locataire pour ce nouvel appartement. Ce sont les aléas du marché, que voulez-vous y faire? À mon avis, un peu de fantaisie et de chic attirer plus de locataires. Je vois que nous sommes d'accord, tenez, pouvez-vous jeter un oeil à cette photo? Pourriez-vous décorer cette pièce comme sur le modèle? Super, et dire que je m'inquiétais, votre aide me serait vraiment précieuse. Vous devriez trouver ce dont vous avez besoin dans les endroits déjà visités. Oui, mais j'ai déjà tout. Crétin. Ah! Il y a mon chat qui est en train d'éternuer. Je l'entends éternuer, je me disais goose. Hop. Et voilà. On voit le... Ouais, on le voit, c'est chiant. Excellent travail, Seigneur Kirby. Espérons qu'un amoureux des fleurs passe par ici. Excusez-moi, je cherche un appartement et... Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous avez réussi, Seigneur Kirby. Je vous remercierai jamais assez. Oui, donc c'est avec eux qu'il faut jouer. Jouer avec des amis, voilà. Mais c'est très très... On peut pas les... Oh, dommage. C'est pas que c'est chiant, mais ça l'est. Ah, le mec. Voilà, chez KHL, et puis le truc va s'agrandir de plus en plus, et il y aura de plus en plus d'habitants, voilà. Donc on va juste aller poser ce machin, là. Voilà. Alors, faut aller le poser où? Pas ici. Attendez, faut le poser où? Attendez. Allez, on monte! S'il te plaît! S'il te plaît! Oh! Tu montes? Ah, c'est des plateformes! Ah, ça, c'est le boss! Mais attendez, faut le poser où? Mais. Alors, soit c'est moi qui ai pas vu! Mais attendez, faut aller où? Où est-ce qu'il faut poser ce machin? Mais attendez, j'ai pas vu. Oh là là. Je suis vraiment nul. C'est pour le hibou, j'en je me doute. Mais oui, il y a un truc. Ah, il suffit juste d'appuyer sur 1, puis ça le lance automatiquement. Ah d'accord. D'accord, moi je pensais qu'il fallait trouver puis le lancer. Non, en fait, il suffit juste d'appuyer sur 1 puis ça passe. D'accord, moi je me faisais chier à monter là-haut. Hop. Voilà, bref, la cascade arc-en-ciel. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 3 niveaux, c'est pas trop mal. Et plein de problèmes. Génial, bref, sinon donc, on va bien s'amuser. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que ce let's play vous plaira. C'est un let's play tout mimi, c'est pas compliqué, c'est tout mignon, voilà. On va bien s'amuser. Bah, sinon donc, j'espère. Ok, corps a sauté. Non, personne ne chante. Et ce soir. Très bien. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires. Abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de Kirby au fil de l'aventure. Allez, salut. Et j'espère que le prochain épisode n'y aura pas autant de problèmes.